Salut à tous, c'est Diogoar. On se retrouve pour la suite de ce Let's Play de Half-Life, partie 39. Et donc là, on va rejoindre les autres scientifiques. Ah, parfait. Donc on refait le plein. Sans doute. En prévision de grandes batailles. Vous aussi, vous faisiez des recherches sur l'armement, non? J'ai mis au point ce fusil à gluant, mais c'est plus fort que moi, je n'arrive pas à l'utiliser contre une créature vivante. Prenez-le, vous ne semblez pas avoir mes états d'âme. Non, en effet. Pas trop mal son fusil gluant là. Ah, par contre, oh putain, je me tire de là. Il y avait une caisse explosive, je vais peut-être pouvoir m'en servir. Quoique non, ils s'y sortent pas. Bon, on va quand même voir si quelque chose a gratté au fond du. Oh putain, je l'ai. Je crois que je l'avais eu celui-là. Ah, mais c'est pas vrai! Il n'y a rien là. Y'a rien là-bas, on se tire de là. C'est parti. Alors bon. Lambda, réacteur, coulant de système. Voilà. J'aurais peut-être pu me servir de ça, mais bon. Tant pis. Monsieur. Monsieur. Je te prends ta munition. Vous êtes Freeman, n'est-ce pas? Vous devez mettre en route les deux pompes pour inonder le réacteur. Prenez ensuite le tuyau d'accès en bas. Il vous amènera au cœur du réacteur. Mais dépêchez-vous, vous n'avez pas beaucoup de temps. Bon, bah on fait le soc là, on fait le plein. Maintenant qu'on est blindé à bloc, si mes souvenirs sont bons, on va se faire pas mal de ce qu'on entend là, des lanceurs de guêpes. Il va y en avoir à gogo. Je crois qu'il vaut mieux s'arrêter là, j'ai un mauvais pressentiment. Bah ouais, on va s'arrêter de jouer, il a un mauvais pressentiment. Cet endroit est bien plus grand que je ne pensais. Ouais. Bon. Ok, je vous couvre. Il va venir. Donc là, faut que j'aille réactiver, je sais pas trop quoi. Je peux bien écouter. Alors en voilà un déjà. Ouais, tout ce temps passé à s'entraîner au tir. Finalement, ça va nous être utile aujourd'hui. Allez, montre-nous tout ce que tu sais faire. Mais non. Vas-y. Ah. Bon, ça t'a été utile. T'en as mis 3. Bon, on va tester le petit joujou là qu'on a trouvé. C'est pas mal, non? Moi j'aime. Oh putain. Je déteste quand ils apparaissent comme ça sans prévenir. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire ici? Là. On va aller voir. Y a rien. Alors bon. Ça ne fait rien du tout. Donc je suppose qu'il y a quelque chose que j'ai pas fait comme il faut, donc on va refaire le tour. On va reprendre le fusil à pompe.
là, en fait, on devait sûrement aller là en deuxième. Oh putain. Ah putain, ça a pas suffi. C'est bon. Oh putain non. Ouais, ça c'était à prévoir. Une fois que j'étais dans mon élan, je pouvais plus m'en aller. Oh putain. Je tire de là. Oh là. Ça sent pas bon. Mais non, mais ça c'est. Ouf. Heureusement que j'ai réussi à l'empêcher de tirer. Ça y go. Sinon, ça aurait été vraiment injuste. Je le fais apparaître au bout du couloir, mais c'est pas vrai. C'est bon. Alors où est-ce qu'on va? On est où? On fait quoi? Ah, c'est pas vrai. Ils vont nous faire chier jusqu'à la fin du jeu, ces crabes. Oh putain, heureusement. Génial. Voilà. C'est pas vrai. Je crois qu'on est bon. Alors. C'est pas vrai. Ils vont nous laisser tranquille ou pas? Putain, il manquait une balle. Je crois que j'étais bon, mais en fait non. J'avais dû en rater une. Qu'est-ce que j'ai activé là? Ah bah, j'ai fait monter l'eau, c'est cool. Mais est-ce que ça va me permettre d'activer les valves de tout à l'heure? Où est-ce qu'on va d'abord là? Y'a rien ici. Bon bah on va se tirer de là hein. J'espère que j'ai pas oublié un bouton comme dans... Comme pour les tentacules là. J'avais oublié d'activer l'oxygène ou l'essence, je sais plus. Bref. Merde. On va retourner là-bas et c'est intérêt de marcher. Alors qu'est-ce qu'il y a là-bas d'abord? On va peut-être faire un tour là. Tiens, bah, en parlant d'oxygène que j'ai oublié d'activer, ici c'est pour activer le refroidissement par oxygène apparemment. Donc on va aller faire un tour aussi. On va peut-être reprendre un peu plus de puissance. Puissance de feu. Lui il est son compte, parce qu'il y en a un autre là-haut. Je pense que le pompe, s'il est... Ah, il est juste là. Bon bah, l'arbalète. Ah mais non mais, je l'ai pris pour un putain de lance-guêpe. Alors qu'en fait c'était juste un... Je sais pas comment ça s'appelle mais... Oh putain. Oh putain. Oh putain. Ah mais c'est scandaleux. L'arbalète qui met 3 heures à se recharger et en plus je recommence de là. Mais quel scandale ce jeu. Et c'est l'heure, donc c'était Diego Har, et je vous dis à la prochaine pour la partie 40 où j'espère qu'on va enfin se finir cette situation là. Ciao.